Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lego le Hobbit. La dernière fois, on avait réussi à faire à 100% un des niveaux. On va prendre un peu de corde. On va tâcher aujourd'hui d'en faire un autre. C'est pas gagné. L'accueil chaleureux, vous l'avez fait à 100%. Là, il faut des preuves. Alors là, on a tout à trouver. Tout. Vraiment tout. Attends. C'était où? Dans le deuxième niveau, il y a le plan. D'accord. Et ben, vous savez quoi? On est parti. Gandalf et Radagast se rendirent au pied des hauts monts du Rudor, ce lieu même où... Ok, oh ben ça commence. On a déjà des trucs par ici. Ok. Ouais, c'est devenu un casse-pied, ça. Ok. Tout cassé. Si jamais... Là, il veut pas, par contre. Puis là, je vois que dalle. On va prendre un elfe, plutôt. C'est mieux, les elfes, pour sauter. Voilà, je t'ai pas demandé ça, cocotte. Mais ça non plus! Pourquoi vous pouvez pas sortir vos arcs là quand j'en ai besoin? Gandalf. Elf. Oh, sortez vos arcs! Ça, je peux jamais choisir ce que je veux avec ce truc là. Fallait marcher dessus, Andouille. Ok, là, on va prendre un. Hein.
Ah, c'est celui qu'il me faut en plus. C'est cool. Et qu'est-ce que... Pardon, petit trompage de touche. Ça y est, touche. C'est un trésor. Ok. On a tout ce qu'il faut. Il faut Radamante, Radagast là. On va aller soigner le petit corbeau. Il me faut Mister Marteau. J'ai dit Mister Marteau. C'est lequel, c'est celui-là? Oh, je les confonds tous. Ça marche mieux quand il y a deux. Voilà. Et une kit, ça c'est fait. Donc on attaque la deuxième partie. Dans la deuxième partie, il y a le plan. Il faut un petit gobelin. Le plan. Magnifique idée. Alors celui-là, il était planqué, mais alors d'une façon, c'est honteux, ils n'avaient plus d'idée, les mecs. Donc comment ça marche ici? Allez, Yast. Un truc en haut là. Gandulf. Ça sauvegarde. Non, il n'y a vraiment plus rien. Ah.
Voilà. Hop. Ok, il faut se rond. Tire là-dessus. Tu tires là-dessus ou quoi? Allô? Hein? On va soigner le pigeon. C'est une chauve-souris au vieux. Un petit nain. Il faut deux nains. Deux petits nains.
plus de... Voilà. Par contre ici, juste là, il y a un mini qui, enfin, un trésor. Je le trouve. Ok, désolé pour cette petite ellipse. Le jeu a planté, hein, j'allais toujours à droite, toujours, toujours, toujours. Hein, ça, c'est un des majeurs problèmes de ce jeu. Et je n'ai plus de son. C'est génial. Allô, allô? Je n'ai plus de son. Bon, ben, on s'en passera pour la fin du jeu. Hein. Voilà, j'étais sûr qu'il y avait un truc comme ça. Hop. Bon, c'est juste pour la fin de la partie. Certainement, mais là je suis né parce qu'il m'en manque un mini kit. J'ai dû rater, il me l'a pas indiqué. Ok. Déjà, je vais aller voir Gandolf ici. Et je mets la dernière lumière. Et on peut y aller. Le machin il se barrait encore tout seul hein. Donc désolé pour le son hein. Faudrait que je recommence tout et j'ai pas envie de recommencer complètement le jeu. Ça attendra bien la prochaine vidéo.
Ok. Ah, c'est ça. Et le dernier mini kit, voilà, on l'a fait à 100%. Continue, je sais pas pourquoi. Normalement, je pourrais sortir. On va finir à 100%. Désolé, toujours pas de son, hein. Niveau terminé. Donc on est maître cambrioleur. On a le bâton fluo. Le poison de troll. Le tuba Nazgul. Et la pomme de terre. Eh, ça, il faut le donner, ça. On a le plan, la cravache en vitrine, mais les mini kits, on les a tous. Tout cet argent. On a 3 briques normalement. Et on retourne à la terre du milieu. Et nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé, hein, ça a pas mal planté aujourd'hui. Donc, il y a plus de tour à la fin. Il y aura un petit décalage à un moment donné. Mais en tout cas, on a quand même avancé. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la suite. En espérant qu'il ne plante pas la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde.